Elles sont où les Mighty Dogs? <laughs> Ils ne s'appellent plus les Mighty Dogs. Ok, le ah. gars là et oh. lui, est C'est pour ça que je vous dis, faites vos devoirs! <laughs> Free money! Free <laughs> money! Ok, ouais. Alright, guys. Il suis... fait juste mettre un 20 <laughs> goût sur la table au fun. C'est ça pour t'amuser. Ouais, dès que gros. ça parle d'argent, c'est sérieux pour moi. Parce <laughs> que ça, je te dis, ça, je te dis là! Welcome to SCP News, people. Like, <laughs> share. I'm on the street, baby. Woo, ok, on <laughs> est back, guys. Okay. Encore une grande énergie. On a le café dans le sang. Oh, pas besoin. Casa <laughs> et Swag Dart. Twenty vient de se réveiller et Miso est back d'un tout épisode. Il y a deux, juste un. Deux, deux. deux épisodes. On est, on est vraiment back. La saison passée ça aurait été excellente à voir uh, Miso avec comment. Ouais, t'as écouté l'épisode, avec tout ce qu'on a parlé, t'as as ramené des bons points, mais c'est pas grave. <laughs> ouais, J'aurais argumenté avec j'allais le peu. Beaucoup. On <laughs> a défendu sur quelques points aussi, <laughs> avec tes vieux points dans mes Eagles. <coughs> bon, mais là, NFL c'est calmé. C'est calmé. calmé. Euh, on va commencer avec NBA. NBA va être un peu plus long. Ouais, on commence là-dessus, guys. All right, so first question. First question. You guys are ready? Yeah. Jahu. Yahoo. Yes. Je parle de Ja Morant. Le gars est sur l'aise. Il y a un nouveau homme dans la ville maintenant. Et il s'appelle On ne croyait pas en lui que quand Kat s'est blessé, que Timberwolves allait, allait avoir une fiche perdante pour la fin de la saison. Guess what? Non. Le gars a point, points, découvert leadership, take over de winning. Il est 604 sur 10 games. C'est un bon winning streak, un bon average pour 10 games. On sait tout ça. Donc, il est encore deuxième présentement dans l'Ouest. Ma, ma question est Est-ce que Anthony Edwards peut se rendre en finale sans 4 Et est-ce que Anthony Edwards est plus hype que Jack Morant Je vais commencer avec Misogod, vu que ça fait deux semaines qu'il n'est pas là. On veut <laughs> entendre ta voix. Talk to us. Um, bon, pour le se rendre en finale sans uh, Towns, c'est impossible. Oh um, Oh, je reste au, je reste le... Je reste avec le fait que. En playoff, biggest liability on the court. Rudy, Rudy Gobert. Gobert. Les gens, les, les, les gens, les gens vont l'attaquer. Le, le, uh, Rudy Gobert ne va pas venir te faire 30 points par game. Puis là, les gens vont l'exposer parce qu'ils vont mettre un shooting big. Puis il ne va pas vouloir sortir du paint. Anthony Edwards va avoir des fous playoffs. Il va devoir scorer 40 points par game. S'il doit jouer sans Towns. Doit jouer sans Towns. Donc, mais je pense que Towns devrait être back pour les playoffs. So ce n'est pas trop relevant. Puis est-ce qu'il est qu y a plus hype que Jamoran? Moi, je suis encore Team jai Jia est cave. Ça, je vais le donner. jai est super dom Là, il est blessé. Ça, tu peux pas lui mettre dessus. Ouais, là, il blessé, est blessé. c'est un billet Mais quand tu me parles de comme. Anthony Edwards, c'est comme box office. Mais Jam Moran est également box office. Là, c'est juste que tu ne vois pas Jam Moran. Euh, Anthony a envoyé quelqu'un à l'hôpital, guys. Il okay, y a, a Concuss. On s'est un, un, un fake Concuss. Il okay? a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Son ego et concourse Je vais lui donner. C'était le poste de l'année. C'était le poste de l'année. Les mais, trois dernières le, années. Hier, il y en a eu un aussi bon. Euh, le John Johnson. Yeah. Il était pas aussi bon. Ah, ça, non, non, il C'est jeté à terre, là. C'est y a jeté à terre. C'est ça. L'autre, il s'est fait rentrer dedans. Il a sauté, gars. quand il a envie de sauter, il a dit shit, I can't Il s'est mis sur le côté. Exactement. Il a dit, oh non, j'ai une commotion. Commotion where? Comm une commotion de l'ego, commotion, yeah. je ne joue plus dans la NBA pour les prochains jours. Ah, mais, <laughs> tu sais, c'est comme l'année passée. C'est l'année passée. Il y a deux ans, quand Jamarin a posté um, puis Il a pas compté il a compté. You know, you know, y en a, y a un de ses posts qui n'a pas compté, mais il était ouais. insane. C'est ça, comme... L'affaire, c'est que tu as juste besoin de le voir. Là, il joue pas, so, you don't see him. Mais, je ne veux pas dire que nécessairement <laughs> Jai est vraiment au feu, mais en termes de genre comme um, splash please pour dunk... In game sur des gens, ils sont comparables. Ça va me dire Jahou là, il va juste okay. revenir une game, puis il va poster le premier gars qu'il voit. Je <laughs> vois shit. Okay. Yo, He's yo, back. Yo, ok, quand il est arrivé, puis il y a donc tout de suite, il euh, n'y a pas donc sur Wemby, mais il y a donc. donc oui. Les gens étaient comme shit. Wemby n'a pas pu le bloquer. Wow, oh, les gens étaient chauds. C'est ça que Jamon fait, que quand il est là, comme, tu n'as pas l'empêcher de dire donc. Vu que lui il est plus petit que Anthony Edwards, c'est mm -hmm. toujours plus spectaculaire quand lui le fait. Twenty. Euh, Tous les, les mêmes points de vue que Niki, je suis d'accord. Euh, si c'était Rudy Gobert qui était blessé à la place de Kat, ça aurait donné mm -hmm. plus de chance à Ant-Man. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mais je pense pas que les Timberwolves seront en finale et ne gagneraient surtout pas les filles. Pour ta question entre Ant et Ja, mm -hmm. come on, dog. Ant-Man? Je te dis pas, pas qu'il est pas bon. Il est hype, mon gars. Il est nice. Don't get me wrong, il est nice. Mais il est nice. En différentes manières. Casa. Yeah. Kaza. Mais c'est la Chez Gilchrist Alexander League. Pour l'instant. Le Donchich League. Ouh. Mais oui, oui c'est un autre style. Un autre style. C'est vrai. style. Ouais, mais un style. Wow, pour ouais. l'instant, c'est European and Canadian League. <laughs> oh, ok, I like this. I like this. Pour l'instant. Casa. Euh, non. Il ne peut pas se rendre en finale. Si les gens se rappellent bien, il y a quelques années, MVP Nikola Jokic arrivait pas à se rendre en finale sans Jamal Murphy. Donc, il y a besoin Le de pique. son one-two punch guy pour get over the hump. Il mm -hmm. y a encore les defending champions à battre, les Denver Nuggets. Je mm -hmm. pense qu'ils okay, sont meilleurs eux en ce moment parce qu'ils sont full power comparé à eux. Mm -hmm. Et bien sûr, les Los Angeles Clippers, la oh. team Western Corp. Oblique et toute laisse aussi oublié qu'il faut qu'il batte une dine exactement non, mais exactement la question c'est ce qui peut aller valoir finale c'est tout le ouest pour l'instant c'est tout le ouest et puis andrea et end mais c'est vraiment à avec end parce qu'il y a <laughs> moins de off the court antics ticks il y en a quelques unes si vous vous rappelez bien il y a avec mis un ig model pregnant alors qu'il y a un couple je pense qu'il est même fiancé donc il arrête de faire des tentes comme ça et je vais continuer à, à root pour lui s'il fait son baboon <laughs> okay, okay. Non, mais on parle de on the court play là comme quand mais... il, les deux sont en train de jouer la game là tu regardes les deux tu as plus voir plus de splash plays bah, de, dans les mains moi de je pense que, que N commence à prendre un, un, un momentum un momentum sur le court présentement puis qu'il commence à être plus hype là tu le vois que son style a changé dans les 20 dernières games son style a juste changé je, je mets je suis prêt à les mettre égales. ouais moi je j'ai rien contre de... tu sais pourquoi la l'affaire que je sais que euh, Moran. Il fait plus de splash play que Edward. C'est que lui, justement, il joue tellement en faisant des splash play qu'il plus... se blesse plus souvent en faisant ces affaires-là. Parce que mm -hmm. lui, il veut absolument te poster. Il veut absolument faire le, le, comme le gros play. Puis des fois, c'est ça qui fait qu'il se blesse. Mm -hmm. Tandis que euh, euh, Edward, il prend son, son opportunité. Comme, il va jouer une game posée. Si tu lui donnes la chance de te poster, il va te poster. Comme, mm -hmm. comme, il ne va pas te poster n'importe quand. Comme Diamond il voit qu'il ne peut pas faire le poster. Il va s'y aller. Mais okay. Edward, c'est genre... Plus il, est, ouais, il est plus intelligent. Il est là, il est comme, OK, okay toi, je te posture et Il là, il est comme, j'y vais. puis C'est sûr, 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 sûr tu Mais, si, il te tue. Mais s'il n'y a pas une bonne, si c'est pas un clear shot, il va pas aller pour ça. Là. Donc, il, comme, il calcule ses affaires. Parce okay. que Jammerman, lui, il, est comme, il voit juste sa highlights Dès qu'il voit il y a le ballon, il voit juste sa highlights <laughs> so, il, il essaie juste de faire des highlights. Alright. avais-tu terminé? Oui. Parfait. Next question. Qui devrait avoir le MVP selon nous? Et qui va réel, réellement le gagner cette année? Je vais commencer. Selon moi, présentement, je ne vais pas dire n'importe quoi, je, vais, je vais dire une connerie, mais non. Euh, je vais le donner à Shea. Shea, présentement, est en train de tout tuer, tout rafler. Euh, même si un MVP, c'est lui qui peut sa team tout seul, puis beaucoup de gens vont dire: Oh, il y a Chet. Il y, a, il y a William qui a, qui a step up, tout ça. Non. Avant, avant que les gars se réveillent, avant que Dorf revienne avec les gars, avant que même l'autre, la Guiri soit présent, Che avait la team dans son bac. Donc moi, je le donne à Che. Ça, c'est selon nous. Mais là, qui va réellement gagner, puis je trouve ça vraiment un fortune, fortune selon les médias, ils vont encore donner à Joker. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis de voir Joker. Moi, je pense que là, la ligue commence à être biased. Il n'a gagné l'année passée. À cause de MB a pleuré <laughs> pendant 3-4 ans. <laughs> Lui aussi, c'est n'a pas de Baiss. Enfin, cette année de qui prend toujours du Baïs, qui prend toujours les gens, les fans. Guys, Che est clairement le meilleur joueur présent. Ben, le, un des meilleurs joueurs, puis qui a réellement, un réel MVP status selon moi, dans son équipe et dans la ligue, selon moi. Kaza? Euh, je suis d'accord avec ton pic de Che. Je pense que Che a des bonnes chances. Personnellement, moi j'irais les New York Knicks pas mauvais, mauvais explique-toi. Je pense qu'il y a une carrière de surtout que Randall est blessé, Odiano, Obi est blessé. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent euh, prendre le load euh, à cause de leur absence. Qui va réellement gagner? Je suis d'accord aussi avec le fait que tu as dit euh, Joker, mais ça pourrait être aussi un gars des Boston Celtics. Ok, Frank, c'est parti. Euh, si on se fie à la meilleure team de la Ligue, avec le meilleur joueur de la Ligue présentement, ça doit être SGA, il y a no doubt que ça doit être lui parce que sans SGA, OKC n'est pas premier dans l'Ouest, mm -hmm. dans la meilleure division de la NBA. Donc so, c'est SGA without bon, doubt. Moi, je trouve c'est simple, celui qui finit premier dans l'Ouest gagne. Donc so, si SGA veut être MVP, il doit finir premier, parce que s'il laisse OKC finir premier, tu vas avoir le MVP. Si n'en finit premier Endman, il n'est pas. Mais ah. lui, ses stats sont pas aussi comparables. Comme, il, il y a des splash plays, il y a des, mais comme ce n'est pas comparable. Chez est quasiment leader en points mm -hmm. per game. Jokic est quasiment leader en rebound per game, PS6 yeah, per game. Pas. Donc, tu ne peux, peux pas le donner à End quand tu la meilleure team de l'Ouest avec le meilleur pointeur. Et mm -hmm. après, tu as la meilleure équipe de l'Ouest avec le meilleur senior. C'est mm -hmm. un des deux. Comme Celui qui finit le plus haut va, va win l'MVP. On prend. Et, et moi, je pense pas qu'un gars de Boston gagne juste parce qu'ils sont. Ça, ouais, tout le monde train de tuer. Ouais, c est, c est Brown, Tatum, Porzingis, ouais. euh, même Al Alfred fait des grosses stats à des games White, par rapport. -tread White, Richard of the Bench. C'est comme. Ouais. Les gars exagèrent, là. Ok, parfait. On est quasiment. Tout ça. Puis réellement, vous avez pas répondu. SGA. Euh... Ah, les deux. C'est ton choix ouais, ouais, et c'est SJA. Exact. C'est okay. mon choix et c'est mon choix réel. Plutôt moi, c'est peu importe. C'est entre qui qui gagne parfait. ou c'est entre SJA et Joe Kitch. Parfait. Okay. Euh, la solution finit premier. Euh, une question comme ça, ça peut être quick. Euh, là, j'ai pris le temps de regarder une game de la, des Cavaliers. Pourquoi ils, sont... okay. pourquoi ils sont top 3 Pourquoi elles pourquoi sont top 3 Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand je regarde les, quand je regarde les Cavaliers dans l'Est, je les vois pas top 3 Je les vois en dessous des Knicks, je les vois en dessous d'Orlando, je les vois en dessous de tellement d'équipes. Mais pourquoi ils sont top 3 Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont encore dans le Big 3 de l'Est Les Andrew, et les Knicks. OK. That's it That's it. La seule raison Pour moi, oui. Donc, leur position serait Moi, je les mettrais 6e. Je les mettrais 4e. 4e Et pourquoi C'est okay. ma question. Pourquoi ils sont là Donc, Mitchell n'est pas ce gars-là. Comme, I'm sorry, no disrespect to Mitchell, the spider, mais je ne le trouve pas c'est ce gars-là. Est-ce qu'on a donné un nickname à Brunson <laughs> <laughs> bad. Bad. Non, des suspects. C'est vrai. Pax J'ai oublié aussi les injuries de Philly. Donc, okay. Les Knicks et Philly. Donc, sans les injuries, ils seraient comme cinquième. Ils pourraient être sixième ou cinquième. Bon, pour, pour, yeah. pour leur défense, ils étaient deuxième même avec, quand les gars étaient là. Que okay. Philly était full, full squad. New York Knicks était full squad. Ils étaient still devant eux. Donc, so, tu ne peux pas dire que c'est à cause des injuries. Ok. Um, parce que même eux, ils ont des injuries. Garland a manqué ouais, beaucoup de games. Ouais, Mobley ouais. a manqué beaucoup de games. trust Trusted. Euh, trust, trust L'essai. Euh, euh, comment ça s'appelle? Même Mitchell manque des games. Ouais. Euh, L'affaire, c'est que... Mobley manque des games, ouais. ouais L'affaire, c'est que oh, personne ne respecte les Cavaliers. <laughs> euh, ils ont actuellement un bon squad. Ils ont un... Yep. Comme, ils ont un... Old squad. Ouais. Ils ont genre un... Comme bon starter, un all-star player à comme chaque position à part Smallford. Okay. Ils ont comme ils ont chose pour shooter. C'est ça qui manquait dans leur team. Ils avaient... Ils ont deux big. Ils ont Allen et Mouli qui font une bonne, bonne défensive team. Même Okoro est un bon replacement pour les ça. deux. Ils mm -hmm. ont un, un All-Star qui est capable de get Bucket en Mitchell. Puis ils ont un leader comme Point guard dans Gordon. Donc la team est bien comme construite. Okay. Donc, d'abord c'est une team complète, mais juste personne aime les Cavaliers. Ce n'est pas une la sexy team à dire. Mais toute la saison, ils ont été là comme dans le top 3. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas comme si. Pendant que les gars se sont blessés, tout d'un coup, ils sont venus troisième Actuellement, Maintenant, ils sont en train de, même eux ils sont en train de descendre parce qu'ils ont des injuries. Ouais. Puis là, je vois les, les box sont rendus deuxième. Mais ils ont... Toute la saison, au bout de je ne les ai pas occupés. Je me suis dit ils allaient descendre. Ils sont encore là. Je pense qu'ils sont, ils sont legit. Est-ce que je pense qu'ils ils peuvent faire un run pour de vrai Non. Mais c'est. Je pense pas que. Je pense qu'ils sont capables de jouer à Knicks, même full squad. Là. Spenty. Euh, Nikki m'a volé toutes les mots de la bouche. Euh, quand t'as 9 gars dans ton team qui average 10 points par game, t'as probablement <laughs> gagné la game. <laughs> une moyenne de 90 points par game. Ouais. Ça c'est juste s'ils font 10 points. Donc mm. so, euh, non, comme, comme Niki a dit, bro, la team est pas euh, bien construite. Euh, les bench players sont aussi bons, sinon meilleurs que le Historie. gars, le, le starter. Euh, Donovan Mitchell, c'est une star beaucoup meilleur que Brunson, okay. il l'a prouvé, euh, puis that's it man. Donc Spenty, euh, Knicks contre euh, Cavaliers. Hein? Cavaliers. Ça c'est le revenge de l'année passée. Ouais. On les so a humiliés l'année passée. Euh, là, ça c'est la série où on, on, on était ici, et ouais. on a tout dit comme yo je comprends pas comment les Cavaliers ont perdu ouais, c'est vrai on a dit. C'est vrai. Allen puis Mobley sont fait bouler par Mitchell ou... Robinson et uh, uh, Randall. Repeat cette année. Ouais, Les Knicks sont vraiment meilleurs cette année. Hein. Mais je pense que les, 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 les Cavaliers, le ouais, 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 ils, seraient, ils prendraient cette série-là à cœur. Là, là, je pense qu'ils pourraient perdre n'importe quelle autre série. Celle-là, so, là, il, là, ils voudraient rien savoir ouais, de la perte. Non, ils, ils avaient fait, je pense, Mac 4-0 en plus. Ouais, ouais. Oh ouais? puis oh, on était tous saisis. Humiliation. Oh, Donc, moi, ouais. j'avais prévu ça. Mm. Tu vas te mettre Every game Knicks? T'as raison, mon gars. T'as raison. De cette de cette saison, je vais le faire. OK, parfait. Mais les Knicks, ils veulent Donovan Mitchell, by the euh, mais on avait essayé de, de l'avoir dans le trade la moitié a à Cleveland puis on les a humiliés non ah, mais je pense qu'il bientôt free agent encore so... oh, peut-être Brunson Mitchell et puis Randall je sais tu as parlé un peu j'étais Randall ouais ouais Randall. <laughs> <laughs> okay. Randall là est pas, est il n'est pas finit. important au succès de la team comme ça <laughs> ok next question euh, encore une question qu'on peut passer quick si on veut est-ce que Jordan Paul est toujours relevant dans la NBA Spenty Ouf. Et la seule fois qu'on entend parler de Jordan Poole, c'est qu'un froid. <laughs> euh, malheureusement, non bro, j'avais un high hope pour Jordan Poole. Complètement scrap season mon gars, on voit dans les prochains. Izogod? Donc vu le man, off the bench. <laughs> il il s'est affirmé en tant que bien. six man player. <laughs> Parce qu'on l'a mis off the bench, puis le gars a checké des 30 piece, des 30 points, comme il a joué. Il a joué. Quelques bonnes games. Je ne dis pas qu'il a joué toutes les bonnes games, mais il a vraiment mieux joué en étant off the bench que quand il était starter. Donc, so, je pense qu'il y, y a comme creusé sa tombe pour être un, un bench player. Um, Puis, n'importe quel team qui, qui essaie de le remettre starter. Comme Washington va sûrement essayer parce qu'il là, il, il le paye trop d'argent pour qu'il reste sous le banc. Mm -hmm. Mais, c'est un six-man. Il, il peut get bucket off the bench, comme continuer à jouer comme ça. Ok. ça? Um. J'approuve pas avec mon co-host parfois. Je pense que tu donnes trop d'éloge à Jordan Poole. Personnellement, sa valeur dans la ligue, c'est un mime. Et je pense qu'on devrait l'envoyer au G-League. Au G-League? Au G-League. Donc, Jordan Poole est relevant dans la ligue de la NBA. Mais Jordan Poole pourrait être relevant dans le G-League. Really. C'est exact. OK. Moi, je suis pas... C'est la... quoi? J'hésite entre les deux, mais si on se base sur ce qu'il a fait cette année, il mérite d'être dans le G League. Mais il y a quand même un ring. Il y a quand même eu un moment où on a dit pool party. Il y a quand même, a quand même un résumé. Donc, il faut, faut prendre plus oh. les médias. On dit pool party. Il faut quand même donner une chance. Et moi, je pense qu'il reste un an. Il y a encore un encore un an. Et non, les gars, vous, vous êtes méchants. Encore Alors, un an. Il peut encore jouer genre, dans la ligue. Non, mais j'aime pas qu qu'est-ce qu que Laurent est en train hein? de faire. Parce qu'on a fait, fait qu'est-ce que tu étais en train de faire à Clay Thompson. Tu étais en defense, puis, là. Puis, puis tu as voulu me mettre under the boss pour qu'est-ce que j'ai fait à Clay. Le tu fais à Jordan Poole. Le fait à ah. Jordan Poole. Top. Le fait, il s'en va. Un an. Ouais, oh, 100% qu'il s'en va de Washington. Un an. Si il reste à l'NBA si il se va jouer en Europe bon ok non regarde non, il je en en non, regarde l'affaire est... l'affaire oh, c'est que après, après deux saisons de merde comme ça non, il deux saisons c'est que... sa première saison avec après deux saisons, un saison. après deux saisons. Okay. une okay. après l'autre à moins qu'on le buyout à moins qu'on le buyout je pense que le next year il, il devrait s'améliorer dans son rôle ok ici comme il joue bien comme six men c'est c'est un valuable piece c'est juste qu'il coûte trop cher voilà mon okay. mon frère a dit qu'on devrait le tuer là peut-être c'est bon ça vient même exactement c'est deux trash teams ouais mais tu, tu, euh, yo another a main trash is another men's trash man ouais j'avoue je sais pas pourquoi tu veux être trash là ouais. enfin. je sais pas pourquoi tu Detroit... moi voudrais devrez Jonathan Poole la force c'est que je vais pas payer ce contrat là mais le moment qu'il devient free agent puis une team qui comme un charles. contender là là ouais. j'ai besoin de six men comme ça comme la façon que les gens T'sais, Jordan Clarkson a toujours été nice mais il a jamais été storeux Exactement ça. C'est ça que je vois pour Jordan Poole. Il uh, pas été euh, avec les Ouais, mais avec les mais ça n'a pas jamais marché. Il n'est jamais devenu une star. So là, il, 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 après ça, il a toujours changé d'équipe parce que les queues, c'est eux qui l'ont draft. Après ça, il a toujours été un off the bench guy off the bench guy dans tous les teams qui a été. Euh, malgré que là, il joue bien à Utah, il est still off-the-bench. Euh, Sur so moi, Jordan Poole, je pense que son, il mm -hmm. devrait se de dire que le meilleur qu'il peut être, c'est... X-Man. Jordan Clarkson. Mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi il, il... Il pas si d'être un bon... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'entre Six-Men et Strider, il n'est pas bon? comme quoi la différence? Est-ce qu'ils jouent contre des gars qui sont fatigués? Les gars de oui. Six-Men ne peuvent pas... Oh, bon. Ils joue contre quand... il des gars qui sont fatigués. Il y a toujours... ben là, est toute la offense c'est oh, sur lui parce que lui qui a le ballon, il peut faire un peu ce qu'il veut. Euh... Et des fois, c'est juste le mindset. Comme... Il sait que quand tu es Six-Men, ton... ton but, c'est de rentrer sur le court puis changer le momentum, go get buckets. parce que quand tu es, es Strider, c'est un peu plus pour le, le, le flow de la game et tout. Il y a moins de responsabilité quand il y a juste six men ici. Il y a juste une, une chose à faire. Fais, fais des plays. Quand il est a euh, Starder, c'est plus compliqué pour lui. Puis oh, je pense que la pression arrive trop parce que oh, le gars est vraiment crash quand il est Il y a eu des news reports qui ont dit qu'il y a eu la grosse tête dans son team. Il ne portait pas attention durant les timeouts, Il disait oh, c'est my, te my team. Mm -hmm. I got this et tout. C'est pour ça qu'il a pris une bide. Ouais, <laughs> quand il a dit à Dumont, t'es un triple single. Ouais. single, ouais, comme il devait. Donc, je pense qu'il a, il a pris son année à Golden State et il pensait, that's my worth. Ouais, mais quand as des Hall of Fameux, champions autour de toi, c'est facile à dire. Maintenant, quand c'est toi qui dois être le capitaine, la responsabilité vient sur toi quand tu gagnes, mais mm -hmm. vient sur toi aussi quand tu perds. Mm -hmm. Puis je pense qu'il n'y a pas à assumer. Right, next question, que là, ça va faire des débats. Hey guys, <laughs> est-ce que Kyrie Irving est meilleur que Luca Dunches, James Harden, Dylan Brown? Je veux, vu que c'est. Non, il faut que tu dises pourquoi. c'est... Bon, je sais pas pourquoi, pourquoi, pourquoi... tu as mis pourquoi... Luca dedans, on, on va dire. dire. Je vais ouais. expliquer pourquoi. <laughs> je vais expliquer pourquoi. Parce que je trouve que euh, j'ai mis Luca parce qu'il est dans la même team. J'ai été exprès. J'ai été exprès mmh. de le mettre pour débattre. Parce qu'on sait tous que. Uh, Carrie a le meilleur endo de la NBA. Et Carrie a jamais a jamais été mis à part au Cavalier. Même cavalier je ne trace pas ça. Il a jamais été mis en premier plan. Carrie, quand il était rookie, il était en premier plan, mais l'équipe de Cavalier n'était pas, pas bonne comme ça. Il n'était pas en premier plan. Je ne sais pas pourquoi tu me comme ça. Là. Boston. Boston. Hey ouais, il était au premier plan. Merci. <laughs> C'était lui le, 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 le meilleur joueur de la team. C'est ce que les autres ont. expensé sur lui. <laughs> C'est tout. Ok. Aïe. Regarde, on va on, va, on va, on peut débattre. Vous dites Boston, moi je dis pas Boston. Um, James Harden et Jimmy Jim Brown parce que je trouve que présentement James Harden et Jalen Brown, c'est des gars qui sont au même rôle que Carrie dans leur, dans leur équipe présentement. Second best, player. Second best, player. Je voulais débattre avec vous pour voir qu'est-ce que vous pensez de ça parce que, je que Carrie a fait un gros move et il achète de la, de la gauche pour buzzer-beater winning shot. Et puis je me suis dit c'est quoi, let's debate about it. Parce que moi, personnellement, je regarde Luca. Luca est bucket. Mais skillful. Skillful. Dribbling. Euh, euh, la mère qui monte au panier et tout. Je trouve que Curry est un meilleur joueur skillful. La question, c'est qui est meilleur. Qui est le meilleur? Je vais aller avec Luca. Ok. <laughs> je vais aller avec Luca. Merci. Mais comparé à James Jordan et Jalen Brown, je pense que Curry les massacre les deux en a Trois points, on drive au panier même um, comment goût de dire defense surtout pour James Harden pas meilleur que non non mais James Arden, oui that's my take on this Kazan je trouve que il est équivalent à Luca mais qui est meilleur que tous les autres joueurs je serais même prêt à rajouter mmh. dans la liste LeBron James. Oh, come on, bro! Et au bout d'un tu peux mettre LeBron. Parce que. Non, non, non. Ok, let's talk it out! Vas-y, me fais ta réponse. Le jeu <laughs> a mis son goût et il se Non, 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 mais je vais juste dire. As non, 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 as non, mis, non. Moi, non, si t'as mis Luca, tu peux mettre LeBron, mon oui. chéri. LeBron est le oui. goût. Luca est pas le goût encore. LeBron <laughs> n'est pas le, 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 le goût encore non plus. Oui! pas grave, c'est qu'à ce niveau-là, je pourrais dire que Luca est meilleur que, le... que, le... que LeBron. So, si tu es capable de mettre Luca dans, si dans la liste, tu peux mettre le blanc dans la liste aussi. 100%. Oh, oh, c'est exact. Sors de tes feelings. <laughs> attends, attends, attends. On va, on va revenir sur la question. Enlève Luca de la question. Pourquoi Parce que Luca n'est pas. Ouais, parce qu'on va tous dire. Luca est meilleur Luka, que Kazem. Oui. Kazem vient de te dire qu'ils équivalent. sont équivalents. Ce voilà. c'est pas un bad take. Non. Pourquoi pas Mais, Et... mais leur, leur take aussi est bon. Je suis pas mal si tu dis que Luca est meilleur que Kazem. Luca est dans une autre stratosphère présentement que toute la NBA. So relax. Toute la NBA. Toute la NBA. À part SGA. Tu c'est comme À part SGA. Ou NBA. Non, non. Ce pas les mêmes joueurs. Lucas Luca n'est pas 7-4 au Même style de joueur. En quand il est là. On parle pas de seineur. On parle <laughs> de point guard, shooting guard, small comprends. forward. si il y a 1-1 contre carry, contre Luca qui gagne Carrie. <inaudible> Carrie. <inaudible> Non, parle pas moi de one, moi, on parle de joueur. <laughs> <pôles, rire> Mais toi hey, tu, je... tu sais même pas parce que. Non, c'est déjà les moves. Il moves? mouve. L'affaire c'est qu'il faut que tu te dises, le gars bouge pas. C'est ça, c'est pas comme si tu regardes lui râler le ballon. Même s'il va slow là, il peut se te coucou. Il, il, il va shoot sur toi, comme. No problem. Ah, ça, surtout sur carry. Tu sais, c'est une affaire de scorer, les deux vont scorer euh, unlimited, c'est tout. Surtout en one-on-one. -on -one. Ouf! Ouais, ça, 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 doit être un des, ça, ça doit être une des pratiques les plus nice que tu devrais avoir quand t'es. Euh, one on one adaleste. next. One on one next. Oh. Ça roule. Mais ok, Kazav, si tu as, as dit meilleur que Jim Burden, excuse-moi, puis Jalen Brown. Et LeBron James. Et LeBron James. Ok, il a le... LeBron James la question. Il hey, a carry LeBron James tout. C'est exact. <laughs> je, je dirais bail out, mais. Euh... Oh, bail out, carry, man shit. Comme... <laughs> bail out, mieux que carry, <laughs> machin? Mais non, 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 non. Le LeBron eu, a carry la team. Car... J'aime mieux me faire carry que bail out. Quoi? Bail out, ça veut non. dire que j'ai doc. Je... Non. Non. non, non, Il... non. Bail out, c'est... Enfin, T'allais tomber, T'allais tomber, puis... Es puis... Quelqu'un est venu te head. Okay, c'est ça. Comme so... Rialin a bail out, LeBron. Oui. OK, ouais, c'est bon. OK, OK. Mais LeBron a carry sa team. la fin. Non, non, non. OK, nous, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat Je pense même. Pour pourrais rajouter Kyrie et James Smith mais Delebron. Ok, on lève l'écran. Mais. Spendthum is okad. Vas-y, s'il te plaît. Okay, Curry okay. <laughs> <laughs> uh, okay. est pas meilleur que, que Doncich. Ok. Effectivement. Me, man. Me. Il est meilleur que. Il est meilleur que James Harden yeah. parce que je pense. On a James Harden là c'est qu'il est qu avec plusieurs bons joueurs. Mais si on remet James Harden solo. Mm. Pas sûr, moi. Um, il va suivre, il va ses stats, tu mais être, il est à quoi Sa douzième année, là, ouais. bien, là. Je pense que Life Carey a probablement plus de juice que James Harden. Puis Jalen Brown. Le gars le most paid NBA player, highest NBA player of story Jalen mmh. Brown mmh. a ouais. des fucking weaknesses. C'est ça qui me rend avec Jalen Brown. À cause de ça, je suis obligé de prendre, je suis <laughs> obligé de prendre Carey. Comme... ses <laughs> weaknesses sont trop, sont trop crazy. En playoff le panier va dribbler sur son pied tout non plus, il perd la game. <laughs> <laughs> uh, non, No, thank you. True story. Senti? Ils ont kick out mon boy de Boston pour des raisons vraiment non valables. Oh, C'est lui qui est parti. Oui. Je... Ben... Comme il ne voulait pas rester parce que les fans étaient wack. Exactement. Puis, ça va arriver la même chose à Jalen Brown cette année parce qu'il était le highest fraud player de la NBA. Yes. Donc, euh, so, Carey, oui. oui, oui Brown il est une fraude là. Ouais. Ben, il est capable de oh, gagner ce salaire-là. Il ne mérite pas ce salaire, mais c'est ben, pas un fraude. Fraud. Ah ouais. Mais ça, c'est comment la ligue est faite. Yeah. Oui, oui. 100% d'accord avec toi. Tu as voulu donner un match joueur à ton oui. personnage. Tu sais qui j'accuse Paul Junior. C'est le premier. Mais <laughs> il, il... fraudule. Qui ça MPG. MPJ. Il, il était capable de remettre. <laughs> le pro. Non, mais c'est le plus. La le fois... le plus pro. Non, là parce que tu regardes tu regardes Julian Brown puis Paul Junior. Julian Brown, at least, il average comme 23 points par game. Oui. Bon, les juniors, je sais pas s'il fait 17. Genre. Mais ça se dit, mais à gros, comme il fait 17, il était injured cette année-là. On a donné un max contract. So, Brent est arrivé, il a dit, bro, tu as un max contract avec mm quelqu'un -hmm. qui fait 17 points puis qui est injured. Mm -hmm. Claire, tu me donnes le plus, le plus gros deal que ça. Pour, ouais. pour revenir à la question, Kyrie, mm -hmm. euh, à part Donchich, comme j'ai enlèvé là de la question parce que c'est chien. Euh, chiant. Kyrie, meilleur que James Harden live, meilleur que Dylan Brown. Non, non, j'ai okay. pas mis LeBron James. Merci, j'apprécie. Je respecte je respect LeBron James pour ce qu'il fait dans l'NBA. Merci. Je vais, je vais pas 10 LeBron James. J'apprécie. Et il se fait carry. Bon. Il se fait carry par carry. <laughs> oh, come on. OK. <laughs> oh, oh. Next question. <laughs> Next question. Sabonis est 10-0 contre oh. AD. bon, bonheur. Hein? <laughs> j'ai l'impression que c'est un affaire de comme la semaine passée. C'était la 10ème fois qu'ils l'ont crasé. Ça peut être <laughs> ça. Il jouait à la. Ça peut ça monter sur ah, AD. Ah, il 0-10. Oui, oui okay. AD est 0-10. Okay, okay, well. Ça peut être ça. 10. Je lui ai dit que ça 10-0 okay, well. contre AD, Anthony Davis. Donc, on peut confirmer. Et ce n'est pas à cause que je dis ça que je le pense. C'est hmm. ma question. Donc, on peut confirmer que AD n'est pas un top 5 center dans la Ligue. Mais non, ça peut être oui, je vais vous laisser débattre. Mise au tu as l'air pressé de parler de ça. En fait, c'est juste un bad matchup. Est-ce euh, que tu considères un top 5 Eddie dans le top 5 de la ligue Non. Mais y a pas, pour pas. il n'y a pas tant de centres qui sont vraiment dominants comme ça dans la ligue. La seule chose, c'est que Eddie, pour aider la, la team, c'est mieux quand il joue center. Mm -hmm. euh, lui, on sait tous que dans sa tête, il se voit comme un power forward, il ne se voit pas comme un center. Euh, est, il n'y a pas un top 5 center dans la team. Est-ce que c'est un, un top 5 like, comme défensive player, quelqu'un qui peut disrupt la game défensively Oui. Mm -hmm. Mais comme, je pense pas que c'est. Pour moi, n'importe quel bon center peut arriver. Cook. Eddie. Euh, Eddie. Ok. 20 Top, Top. La ligue, la ligue est devenue tellement différente qu'un gars power forward peut jouer center, un center peut jouer power forward. Mm -hmm. Comme. On les étiquette avec des positions, pas le choix. Mais Eddie, c'est tu sais mon stand sur Eddie Quand il veut, c'est le meilleur de la ligue. Mais il veut pas souvent. Mais dans tout ça, c'est quoi les stats d'Eddy? que. Euh, non, c'est quoi les stats de Sabonis? Est-ce que Sabonis, genre, fait ça, des euh, 25 points triple regarde. double every game. Ou... Sabonis sa est présentement rebounder Leader. Ah mais ça, il fait toujours Troisième, ça. Troisième, c'est Eddie Mmh. Euh, puis je pourrais se pourrais sortir les stats d'assist puis de, de points, mais je pense que Sabano a plus de points que Eddie et plus d'assists. Euh. Je plus c'est qu'il a fait son euh, 50e double-double d'affilée. -double ah, non, mais je, ça m'intrigue de voir combien. c'est quoi les stats qu'il fait contre Eddie Peut-être que c'est juste que. Bon, les... Eddie, il massacre tout le temps. Il, pis il a un rebound puis le hard score. rebound, c'est pas top. Ça vaut ça qu'il fait. rebound puis le hard score. Chaque fois qu'on joue contre, il a un rebound puis le hard score. C'est ce qu'ils disent. Il a dominé. Every game qu'on joue contre, il s'est fait dominer. Il n'aime pas le style. Non, ben, ça, mais c'est. Tu un match-up, aussi, là. Oui, mais à la fin de la journée, tu perds 10-0 contre un big, selon moi. Sabonis n'est pas dans les tops, selon moi. Next game, il... Il, va entendre... il va avoir entendu la stats. Next game, il va être back. Euh, euh, pour les stats, c'est Eddy est, euh, est 25-3-12, et Sabonis est 28-13. Euh, c'est le rebound? En tout cas, Clairement, puis moi, bon, je sais qu'elle ont à répondre, je donne ma réponse là-dessus. Est-ce que c'est un top 5, Eddie euh, ou non? Non, mais c'est aussi parce que, comme le gars l'a dit, il ne se considère pas euh, comme un interne, il, il jouait cette position-là. Et aussi, il faut mettre en contexte que l'équipe de abonnés, c'est bien meilleur. Il va dans le... Mais non, Anthony pas top 5. Euh, moi non plus, euh, je suis un grand fan des Lakers, LeBron, mais Eddie, il m'a toujours déçu. Euh, là, quand j'ai vu cette stats là j'y croyais pas. Comme de fait, c'est vraiment 10-0. À un moment donné, il faut que aies un ego, mon ami. À <laughs> un moment donné, comme tu peux être barbecue chicken à chaque fois. C'est comme... le problème avec Eddie, il n'y en a pas. Non, mais pourrais, je veux te dire ce qui se passe comme... avec il n'y a même pas Aware qui se fait couper par uh, Sabonis. Il doit être au oh, bro. Non, parce que l'affaire, c'est. T'es regardes... un tu t'es pas un acclic. Non, mais dans la réalité, il y a joué contre Sabonis, Sabonis, c'est avec Indiana, probablement pas Indiana. Puis là, ils jouent contre eux à Sacramento. Probablement, ils mm -hmm. respectent pas Sacramento. So, je me dis que c'est seulement des match ups qui prennent même pas au sérieux comme ça. Comme ils disent, ah, c'est juste les Kings. Juste les Kings Les Kings sont over vous. Ah, mais les Lakers pensent toujours. Deux, deux points. Les Kings et les Kings. Tu... pourraient être derniers dans la ligue. Peu, peu importe qui qu ils jouent, ils pensent que l'autre team pour est, meilleur. est, 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 est parce que C'est leur mentalité. Non, mais il faut arrêter ça tout <laughs> de suite. Il ben, faut t'enlèver un gars comme Eddie de ta team. Ouais. Te comme je te l'ai dit. Il est, il, est, il est soft il est soft point il veut jouer quand, quand ça il tente il veut jouer il fait 41 points 20 rebounds 10 assists comme mm -hmm. c'est le meilleur joueur sur le court mais le game d'après c'est points c'est la... très bon la plupart des nights mon gars il, il est sous sleep non c'est juste à un moment donné est, on est tous des athlètes il faut, faut, faut arrêter c'est comme 10-0 au moins 4-6 ah, 3 7 à un moment donné il faut il faut arrêter s'il faut tout de la part de l'idée, ok. Mais prends, okay. mais là en perspective là, la carrière de Anthony Davis. Mm -hmm. Il a joué à pelican il n'était ouais. pas si bon que ça. c'est pas comme s'ils dominaient la ligue pour gagner autant de games. Ouais. C'est à queues la où il y a eu une bonne saison. Où, logiquement, yeah. il y a eu plein d'années où il pouvait perdre contre ces gars-là. -là, c'est comme Anthony Davis a pas une fiche où il peut dire j'ai dominé la plupart des joueurs. Là, comme ouais. Tu regardes ça affiche compte bien des joueurs, je suis sûr, c'est comme 50-50 ou c'est perdant. C'est comme... vrai que je parle d'Eddie comme si Eddie était un, un MVP guy. Un savior. Un savior. Tu je parle d'Eddie de si comme s'il a. A. a toujours joué avec non, Brown. Oui, ça aussi, mais je parle comme si. Où j'arrête, c'est ma bad guy. Faut arrêter de parler d'Eddie de comme si c'était un grand joueur, <laughs> comme si c'était Embiid, comme si c'était un Shaq, comme si c'était un team Non, c'est ça le problème. Tu le compares à Shaq. C'est ça, je compare à Shaq, je compare à Duncan, je compare à des greats, Embiid. Eddie est un normal player. C'est un bon joueur quand il veut. C'est un bon joueur quand il veut. Les gars, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de parler d'Eddie comme si c'était quelqu'un de relevant maintenant pour moi. Je vais parler comme si c'était le gars des Suns, de la Nurkic, C'est un Bobby Portis quand il veut. Oui! Et puis tu sais que je vais avec Bobby. Là, Bobby me donne des grosses notes. dit. je déteste. Ils sont comme à Béziers. de Paris, là. Oui, Bobby ah, Il a dit Bobby Portis. Yo, il a dit « Bet en Bobby » puis Bobby m'énerve. Je mets un douce Bobby, moi. Puis j'avais pas <laughs> So yeah. Non mais ouais, je vais arrêter de parler d'idées comme ça. Je m'excuse. la dernière fois que je parlais de lui comme un joueur « relevant » dans la NBA comme ça. Thank you. Ouais. OK, on va aller en prédiction et bets. First game, Knicks versus Nuggets. 21 mars. Vous que c'est les Knicks, Kaza je vais aller avec euh, les Denver Nuggets parce qu'on vient de perdre euh, Oji Nobi. Encore? encore Encore mm -hmm. euh, Son épaule. Donc, étant donné. c'est comme... le bad trade maintenant. Vu qu'il est injury prone comme ça. Non. Et la saison est finie. Exactement. C'est en playoff. Si, si on on l'a pas en playoff, là, je vais commencer <laughs> à remettre en question le trade. Donc, euh, je pense que les Knicks vont perdre par difficulté, donc par environ 7 points. Uh, Yokich double double. Dylan Brunson 35 points. Je vais aller avec. Euh, 35 points. 35 points. Nuggets, euh, Joker, OVE euh, re dans euh, rebond. Mise au God. Vais aller avec Nuggets. Nuggets aurait gagné par double digits. Puis par 10, à 17, 10. Um, Puis. Um, je vais prendre un gars de. Qui je devrais prendre? Gazette Blasphème. C'est 10 talents. Je vais prendre Michael Pollard Junior. This guy. 4-3 points. 20. Uh, nuggets par 10, comme Nikki. Puis uh, Triple-Double Yokic. Je vais rester là. Um, Lakers versus 76ers. 20. Ah! J'ai fait exprès! J'ai réparé mon coup! Trash! Petit. Trash game! Où <laughs> you gonna choose? Où euh, you gonna choose? C'est tough! C'est tough! C'est tough choose les Sixers signed bead! Voilà! Je vais prendre euh, les Lakers! Puis je vais prendre LeBron master. <laughs> je, euh, je vais prendre LeBron Masterclass! Double-double euh, avec euh, 30 points! Ok, mis au code c'est master master oh, un masterclass. class. C'est Il est en feu pour le reste. La gueule, je dois prendre les Lakers. Là, là, pour le reste, je n'ai pas été trop, trop suivi le basket. Je ne sais pas ce qui se passe avec Steven Sixus. Mais contre les Lakers, je dirais genre. Euh, je dirais gagnent. Mm -hmm. euh, la façon que je sais que Steven Sixus joue, j'irai avec Anthony Davis trois blocs. Et j'irai avec un Maxi fait 35 points. Moi, je vais aller avec Lakers gang, mais je vais aller avec Austin Reeves euh, over points. Non, lui aussi, il en commotion. Après, ça va faire posture. Non, non, mais il, justement, il va revenir. Il, il va revenir. <laughs> il va revenir. Il est pas content. <laughs> il est triste. Je vais aller Merci. avec euh, 76ers. Le LeBron James, point. Puis Maxi, 20 points. 76ers devrait gagner par 20 points. <laughs> ok Timberwolves vs Cavaliers euh, je vais aller avec um, Timberwolves je vais aller avec uh, Edmond, Tony Peace Mise voilà. au c'est le 22 mars même journée que les et je vendredi vendredi yeah. mmh. je vais aller avec euh, Evelyn je ne sais oh, pas ouais. si les gars, je sais pas s'ils si sont full squad, mais si les Cleveland Cavaliers sont full squad, je vais aller avec euh, aller Cleveland dans une tight game. Je vais aller avec probablement Donovan Mitchell. Il est back. Voilà. Oh, ce qui est tu était. Es-tu là? Ouais, c'est une. Ok, je vais te dire, c'est. Vas-y, je vais regarder si. J'allais prendre, ben, prendre aussi les Cavs. Mm -hmm. J'allais prendre euh, sûrement euh, Donovan Mitchell over 3 points, euh, je pense 4 ou 5. Ben, ben, Il est bien, bien. Il <laughs> bien. Et Timberwolf en, en bas 3 points. One. Donovan Mitchell est out. At ah, least one out. week. Do oh. allais avec Timberwolf en overtime? Et man 29 points. Use the God pour répondre. Euh, dans le match. Si c'est pas full squad, je. Mais style avec les Cavaliers, mais ça c'est vraiment, vraiment un nail-biter. Puis je prends uh, ma boy Garland, double double. Ouais, j'avais déjà dit Tim Wools, 3D Peaks. Box versus Thunder, Spenty, vu que c'est les Box. Box versus Thunder. 24 ça, mars, ça fait, ça fait exprès. Il y toutes les games vraiment... tough. <laughs> you go first. Uh, Damien Lillard et Yannis Antetikumpo. Ah, Yannis est back Même si c'est pas back, je, je prends Dame okay. over chez euh, Dame Time okay. euh, Game Winner. Game Winner Game Winner. Game, winner. Right. Game Time pour un 3 points Game Winner. Dame Time Alright. Mizogod mm, mm, mm. Je vais aller avec... Euh... Je pense que les gars jouent contre, euh... jouent contre Boston juste avant. Fox Ouais. Oh. Ouais, il ne faut pas focus euh, ils vont tout mettre de énergie pour Boston ce jour-là avec euh, OKC. Okay, si, de Lillard ne peut pas, peut, pas, peut, pas, peut pas défendre Shai, Shai 40 points, voilà. Oh! Shai euh... est masterclass. Kaza? Je vais aller avec OKC, okay, mon petit. Je vais aller avec Lugenzdorf, 15 points. Et puis Shai, 30 points. OKC okay, gagne par 20 points. Okc, okay, shy, 30 pièces, William, moins de 25 pièces. 30 pièces c'est comme c'est son régulier le gars je crois, à 32 points. C est, c est, c est. 30 pièces <laughs> puis William 25 points. C'est son regular. All right, that was it pour la NBA. Je à rajouter, non, on va aller avec la NFL. Euh, on, va jouer, on va jouer un petit jeu, un petit jeu. Euh, on va commencer à prendre, on va laisser parler, uh, mes de parler de ces Saints, uh, <laughs> euh, parce que <laughs> on a rajouté, on a rajouté. Um, un gros D-line, l'alignement de, de Saints, Chase mm. Young. Donc, so, euh, mes Misogod, oh qu'est-ce que t'en penses ça? Bon choix mauvais choix? Ça va déjà, un bad <laughs> <de> choix. <laughs> mauvais choix. Ça fait deux ans je suis dans le team Cell, Cell, sale. Les gars continuent à acheter, continuent à s'endetter. Mm -hmm. On a des bons joueurs. Je pense que c'est le temps de trade pour avoir des picks, pour avoir. Comme, la team, est pas, n'est pas un content de gens. Les mm -hmm. gars pensent qu'ils ont une chance dans, le, dans la division. Oui ils ont une chance parce que la division est trash, Flash. mais notre team n'est pas, est pas ready. Comme on a VQB, là il, il, on a, comme, a Cam Jordan qui est bon mais il, il vieillit. On a Ladey Moore qui est bon mais comme c'est des gars que comme tu peux encore les tuer dans, pendant qu'ils sont dans leur prime. Euh, non, moi je... Dès que je les vois bailler un joueur, comme gestion, il a fait quoi? On l'a échangé au 49 On lui a donné <laughs> la chance de, comme, de, un de pouvoir one avoir on one. un free chase. La like, one-on-one, il a fait un sac dans, dans ce monde-là. Yeah. Euh, non, c'est horrible, <laughs> horrible comme acquisition. Puis tellement tu sais que le bail ne sert à rien, c'est pas comme s'ils si l'ont signé pour trois ans, ils l'ont signé pour une année. C'est un fucking rental. Tu penses qu'il va rester là l'année prochaine? Non, c'est juste dumb. Uh. <laughs> All right. Merci, <laughs> pour ton amour pour les Saints. <laughs> Ok, on va aller avec le jeu « Relevant or not? » and if c'est « Relevant », il est son meilleur « fit ». Il là, j'ai pris ça d'une application, la question, c'est quand même intéressant. Euh, première personne qui est encore « Free agent », qui est « Est-ce qu'il est « qu Relevant » ou pas ?» Odell Bacon Jr. « Relevant » ou pas Puis s'il est, où est-ce qu'on l'envoie Moi, je veux dire « Oui, il est « Relevant »» puis je vais prendre comme l'application aussi, je vais l'envoyer aux « Chiefs ». Je pense qu'au « Check My Homes », on be fire. Il va remplacer Marcus. Euh, euh, ils ont déjà trouvé le, le sub. Ah ouais? Hollywood Brown. Ah oh shit, c'est vrai. C'est pas mon, mon affaire. Hein? Ah, 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 ah. Bon, quand je vais quand même avec les chiffres, quand même, c'est oui. pas mon, 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 mon. Je veux dire, c'est le meilleur fit pour Odell. Oui, avec le like best QB in the game. Exact. Il so, n'y a pas besoin de faire grand chose dans son route, la balle va venir. Exact. Donc moi, je l'enverrai là, mais là, ils ont déjà Brown, ça va être tough pour son salaire. Euh, Spenty? Je vais vous surprendre, mais moi je vais dire uh, not relevant anymore. Oh! Il est, allé, il est allé avec euh, les, le uh, les Ravens. Le on pensait qu'il allait tuer la ligue avec Lamar Jackson. C'est à puis, cause de Lamar ça. Il ne le visait pas. Il a catch un slant pour un TD. Il a break un field. Il, il, il a marqué quoi? 2-3 TD. Puis là, Je l'ai bête, c'était à sa fête. Ouais. Oh, euh, <laughs> on a la même journée de fête. Mm -hmm. so, so, il est vieux. Il est... il est one step out of the league. Mais au <laughs> <laughs> euh, C'est bon, il y a un je il dire Relevant, si, comme s'il demande encore le cup qu'il demandait l'année passée, si, comme, il est Relevant, mais s'il est aware de ses lacunes, il est toujours Relevant, mais il ne peut pas aller dans un run Navy Team, là ça ne marche pas, ce n'est pas pour lui ça, donc um, so je te dirais Relevant, il devrait aller avec une équipe comme um, Chiefs, Chiefs Chiefs j'essaie de trouver un autre, autre team. Non, BK peut pas. Il y a déjà joué avec BK Miffield. On oh, sait ouais, que ça donne quoi. Ouais, ouais, ouais. Um, vrai. Je vais aller avec l'équipe qui lance le ballon Hague. Rams. Packers. tu peux retourner aux Rams. les trois. Lyon. Et... Chargers. Chargers. Chargers n'ont plus de wide. C'est vrai, Chargers ont On zéro wide. Ouais, Chargers, c'est un bon shout. Ça dépend avec qui qui va. Ouais. S'il va avec quelqu'un. Casa Moi, je pense qu'il y a encore Relevant. Really le Je le best fit pour moi, j'ai deux teams, ça serait euh, Philly Eagles avec N Raiders. Sauf so, tu l'envoies d'une équipe qui n'aura pas de ballon, puis une ah, autre qui n'a pas de QB. Ouais. Qui a pas de QB. Ouais. A pas de QB. Raiders. Ben non, ils ont. Euh, Jimmy? Ouais. Non, car. Car, car? Jimmy Non, Core C'est Core Core Non, 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 non Core est à Jimmy n'est plus là, puis il car, et voilà. ils n'ont pas de QB. Là. Pas de QB. Mm -hmm. ah, ils n'ont pas de QB Non, non, QB. Ok, ben, je vais l'envoyer avec euh, Russell Wilson. Steelers Bon, ok. 32 ans pour un wide receiver C'est vu. Un, un run, running team Non, non, non Ça ne fonctionnera, fonctionnera pas Ça ne fonctionne pas Non, relevant pour Kaza <laughs> Non, mais je veux dire Odell Les deux équipes Tu l'as envoyé Il va rien faire Eagles va rien faire Avec lui Il n'y aura pas de ballon Il n'y aura pas de ballon Il n'aura pas de guiseuse Ça va être la troisième Quatrième option Tu n'as pas de ballon il a Une option Tu n'es pas sur le banc <laughs> Tu es sur le banc Oui, quatrième option Wide receiver <laughs> Tu fais un TD Au Super Bowl tu appelles Mahomes Sinon Tu es relevant Ouais <laughs> <laughs> Tu penses qu'il y a combien de wides sur le joues en même temps Quatre. Trois. Okay. Depending. D -d Dépendant de la, la, la formation, mais. Dans la formation des Eagles il y en a deux. Regarde, il serait <laughs> irrelevant parce qu'il y a trop de joueurs à feed. Ouais. Non, the, mais surtout à, aux Eagles, il y a deux wide. Off the bench. Non, non, il y a deux wide sur le terrain. Après, oh, ouais. c'est des tight ends et des wall-in. Yes, on va aller avec le prochain. Euh, St Stéphane Gilmore, qui est un gros corner pour les gens qui n'ont pas la defense. Gros corner. Euh, donc, moi. Euh, Malheureusement, il est quand même vieux. Dear, not relevant. The oh God? On s'y est encore relevant. Non, il est trop vieux, man. Il perd du speed. Il y a, pas tout, comme il y a quel âge? On s'y est comme... non 24. C'est une affaire de sa vie. Est-ce qu'il peut encore jouer? Oui. Quand oui. Il était avec les Cowboys l'année passée? Ouais. Il, est, est il a bien joué. Mm -hmm. Moi, je pense que justement, une équipe, une équipe comme la tienne, les Eagles on a besoin d'un connu qui est Chat corner. not too dumb on a été prendre deux autres connus déjà là on who a a dit... that? G CJ G CJ où comment il joue safety il joue safety ah pour oh, corner je suis un corner là comme, mm -hmm. comme à la fin de la game on s'est hurry up en fait il reste 30 secondes euh, one on one le partenaire fait cook. c'est pas c'est euh, pas <laughs> c'est pas c'est je veux c'est qui tu mets connu Là, présentement, moi, je ne peux pas dire ce qu'on a toutes de deux <laughs> On n'a pas de corner. Un mec Gilmore, il va faire mieux que les connus que tu avais. Okay, c'est bon. <laughs> so, je crois que Gilmore est still relevant. C'est des eagles. Même chose que Niki. Un corner, un c'est un petit peu différent qu'un qu qu wide. Normalement, c'est nous qui hit les gars, puis on ne pas hit. So, à un hit de moins, de te faire concuss ou whatever qu'un qu wide. So, un petit peu une plus grosse longévité. Donc, je prends Gilmore, still relevant pour any contender team. Okay. Il veut un, un corner, un backup corner ou un corner, quelque, genre Nicole, whatever, que tu as besoin d'un troisième corner. Je prendrais Stefan Gilmore. Ok, c'est ça? Huh? Irrelevant. Best yes. fit, retirement. Il okay, y a 34, bro. C'est proche. C'est uh, joué. Oh my god. J. J Divian Clo Clony 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 il y a Clony. Le D-line, gros D-line. Il a fait des highlights universitaires. Il a joué pour les Browns, Patriots. Gros joueur. Là, il était. Euh... Like les Ravens. Like les Ravens. Là, il est free agent. Euh, personnellement, où est-ce qu'il nous faut Où ce il faut un D-line présentement qui, qui doit faire quelque chose de sérieux Ouf Et où est ce qui pourrait aller à bon fit puis vraiment aider puis rendre l'équipe encore plus boostée qu'elle est Stilleuse, man. Si ils avaient déjà TJ qui est incroyable, tu mets Clonny de l'autre côté, là t'as deux bêtes là, avec Queen and backfield. I like that, relevant. I like that, relevant. Euh, Nikki, t'as fait la même. Le même joueur que Chase Young, c'est Clonny. <laughs> <laughs> wow! Euh... C'est comme ça que je pensais. Yo. So, euh, on l'a mis l'autre bord de Bossa, il a still fait shit. Clonny était meilleur que Chase Young d'après moi, college. Euh, son so nom irrelevant pour l'instant. pas irrelevant. Pas, pas irrelevant, mais je veux dire, il t'a prouvé qu'il n'est il, 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 plus au même step que les autres. Là. Mm -hmm. bah, moi, je vais aller avec euh, Relevant. Mm -hmm. Puis, son, comme, son meilleur fait, c'est de rester où il était avec les n'importe euh, Le gars, on l'a changé à chaque, à chaque année d'équipe en voulant qu'il soit un des top par de la ligue. C'est pas lui. Comme, tu peux le mettre avec. Même si tu le mets avec TJ Watt, il va, tout d'un coup, lui, il ne va pas venir te faire 10 sacs. Là. Um, struggle, là. Comme Shogo, il fait juste assez pour te dire que, que c'est un, un bon piece dans la D-line. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un exceptionnel piece comme Il ne se démarque pas par lui tout seul. Là. So, je te dirais, va avec les events reste dans la team que tu étais, qui est sont, qui sont une team qui fait... en Ils pas de star qui, qui est plus par-dessus les autres. C'est la, la collectivité. Bon, va dans une team comme ça, puis joue ton rôle. <laughs> That's it. Parfait. Kaza. Encore relevant. Personnellement, moi, je prendrais bien le lion. The Good shout. Mmh. Ok, ouais. Tyler Boyd. <laughs> relevant. Le, la, le, a dit de mettre aux Steelers. ça ben, cause qu'il y a des rumeurs qui disent en tout cas Steelers présentement. Moi, je pense pas que c'est un bon fit aux Steelers. Moi, je l'enverrais au. Tu sais où je l'enverrais? Avec un bon. Euh, euh, Packers. Je l'enverrai au Packers. Je pense que Packers avec Love, ce serait un bon fit. Fit de ballage? Non. Non. Je sais, mais. Comme ça, d'un vétéran. Comme de Védéran, un le vétéran, il va avoir des balles, ça va, il, va, il est clutch à des moments. C'est un sure hand, c'est pas un spice sur un sure hand. Je vais te le donner. Je vais te donner ça. C'est bon, là. C'est un bon Packers. Et les Packers sont trop jeunes pour que tu puisses prendre un, un wide. Ils un ont non plus. Exact. Ils n'ont vraiment pas besoin de wide. Un sure fit, un sure, sure end, je veux dire, sure end. Un stealer, je l'aime vraiment plus déjà au stealer. T'aimes ça, t'aimes ça. Leur offense va complètement changer l'année prochaine. Okay. Just mark my words, ça va plus être un run une run heavy offense l'année prochaine. On a vu que Najiris n'a pas de legs anymore. <laughs> Puis les ils Warren. Oui, mais Warren est complètement un différent back que Najiris. Euh, ça va être, il est capable de rattraper des passes. Il fait beaucoup de, 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 de petits routes. Euh, je vois les Steelers complètement changer l'enfance. Tyler Boyd pourrait être un bon piece. Mais oui relevant On va voir où c'est venu. Ce yep, mais code. Je suis en train de passer à ça live. Tyler Boyd. Oh, c'est le temps d'aller... Tyler Boyd dans une trash team. Voilà, c'est ce que je peux dire. Wide. Ou wide Wild. Genre Panthers... Kiki. Ils t'ont montré qu'ils étaient capables de step up. Non, Saints, on a actually des receveurs quand même. Qui Michael Thomas Ils ont lavé Shahid. On a des receveurs. On a juste pas de QB là. On a des jeunes receveurs. Panthers, j'ai dit Raiders. Regarde les vieilles équipes de la ligue. équipes sont vraiment ou est-ce que tu peux être White 1 ou. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que là, t'as été White 3 pour genre quoi, 5 dernières ouais, années. Ouais, c'est ça. Si je suis lui, je vais pas aller prendre un autre White 3 là, comme for fun. Sinon, il est mieux de rester à Benkons. Ok. Kaza Personnellement, moi, j'enverrais dans le South, en Floride. Donc, soit à Dolphins, soit à Bucks, ou à Jacksonville, Jaguars. Yep. Yeah. C'est bien ça. Ryan Ryan <laughs> Ryan Taneyl, relevant or not? Not relevant at all. Retirement, Merci. my guy. Retirement. Twenty. Uh, back back up role. Au, au plus uh, au pire backup role. Mais sinon comme t'as dit irrelevant. C'est vraiment ça irrelevant a body on my bench. So, <laughs> <laughs> c'est bon, un bon body on your bench. Yeah. Body on my yeah, yeah, yeah. bench for God. That's it. All right, on est tous d'accord that's <laughs> even the ça s'est même levé parti <laughs> on, a, on a nommé Ryan Tarnell he <laughs> trouvé ça irrelevant. <laughs> All right, next one. I même the mec en parti. <laughs> next one, um Hunter, non, c'était Marcus Valdez Calding. On, irrelevant, ah. irrelevant. Irrelevant. Eh, irrelevant. Il n'a pas gagné le TD? Il, il, ah bro, tu, il, il, ça aurait pu pas... être n'importe qui, s'il vous plaît. <laughs> yo, Mahou, je ne sais pas c'est quel film que j'ai en tête, mais... Y a il film, à quel point y a un film où le gars faisait tellement de drop, ils ont enlevé ses gants, ils ont mis paquet de cols sur ses mains. J'ai oublié c'est quoi le nom du film, mais... C'est pour Cadavious Tony, s'il vous plaît. Non, non mais c'est c'est ça. Parce qu'à la fin, on lui a lancé un touchdown. On mm -hmm. lui a lancé le ballon à lui, What? ses mains étaient pleines de cols, il, il a couru comme ça là. Son route, il a couru comme ça. Sa seule chose, c'était de catch la boule. Okay, C'est ça qui est arrivé avec, avec Vasquez Kending. Il était relevant juste parce que Patrick Mahom a continué à lui lancer le ballon. C'est irrelevant. Si tu l'envoies dans une autre équipe, tu vas le voir faire des jobs. So, irrelevant. Lui, il peut. Wow. Comme right to the sunset, t'as eu ring, be happy. Wow. All right. Jamal Adams. Strong safety ouais, qui, qui était au Jets, à un donné, uh, C. Seahawks, LSU. LSU. Bref, un gros strong safety qui a eu des blessures. Et là, depuis ses blessures, il a jamais été pareil. Puis on ne l'a jamais vraiment réutilisé à sa pleine performance. Je vous dis encore relevant. Encore relevant. Parce que je trouve qu'on l'a jamais donné, vraiment donné sa chance encore de faire une saison complète sans qu'il se blesse. Donc, je l'enverrai au. Pour donner une chance. Euh, je l'enverrai aux Raiders. No God? Event. Euh... Parce que c'est pas qu'on lui a pas donné la chance. C'est que chaque fois qu'il est revenu, son corps l'a relagué. Euh, <laughs> il, ce gars-là jouait un, un style de football qui était vraiment physique. Euh, là, que maintenant, il peut, plus, il peut plus jouer comme ça. Son corps ne le permet plus. Mais en même temps, il fit plus vraiment le style de safety que tu as besoin dans la NFL. Comme Comme, il peut plus cover, c'est un liability. Comme, où il était fort, il était tackle puis il était très bon à blitz. Ouais, Et maintenant, j'ai vu, il est revenu au Seahawks une game, la même game, il est reparti en civière. Ces gars-là, s'il est dead, ils veulent le vent duo. Au... Take care of your body, arrête de jouer vous. Bon. Euh, Niki, tu dis, c'était comme un classique strong safety, où qui filait le gap d'un linebacker, où il était très proche de la ligne, où il, il était un run stopper. C'était pas, pas un coverage guy. Et la ligue, malheureusement, elle a le complètement flip 180. C'est une passing league. Tu as besoin d'un safety qui est capable de cover, qui est capable de courir, qui est capable d'être présent à des games. Donc, so, non, irrelevant. <laughs> Alright, right, uh, Je suis le groupe parce que ton, ta valeur va avec ton availability. Puis s'il n'y en a pas, ben, irrelevant. relevant. les eclipse All right, on to run throw. Il était un wide numéro 1 à des moments Raiders, d'autres fois numéro 2 quand Adams est arrivé, numéro 3 quand il y avait Adams puis le, euh, le Titan. Est-ce qu'on met le nom sur ta liste là, parce que. Dernier. Ok. Wow! Non, on, commence, on commence à descendre vraiment irrelevant là. <rire> <rire> Donc ma question. un tout n'est pas irrelevant que ça. C'est bon, un bon wide. C'est un bon, bon une bonne option comme moi, Lucie. Tu sais où ce que j'enverrais, mon parc, Kenz, aller rejoindre ton boy Cook. Luke, Luke, on, on, a, on a trop d'offensive power pour lui. On n'a pas ça. besoin de Renfro. C'est sûr? Oui. Ok, moi je dis euh, euh, Falcons. Puis s'il veut une carrière avec comme, juste beaucoup d'argent, euh, Titan. Relevant. Merci. Je verrait aux Bills. Dans le slot pour les Bills. Ouh, bon, bon corps, call. Call. Spenty. Euh, relevant, juste parce que c'est un très bon wide receiver number 3. Perfil in number 2. Euh, so je le vois dans une team. Il va faire des catches, il va faire des plays, mais pour wide receiver, pour all-star wide receiver calibre. L'app disait, l'amener aux Saints. Do you believe in that? Je <laughs> bâle rien. rien. Les Saints, on n'a rien. Comme. Non. Mais je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'il y a l'aide-back avec Derek Corr. Ouais. Il y a avec Derek ouais. il y a Shirisa. Donc, je suppose que c'est pour ça. So I guess maybe that's why. Mais non, on n'a pas. Yaza. Encore une Je l'enverrai aux Harry Cardinals. Good shout, Good shout again. All right. That was it. That was it pour le petit jeu. Relevant or irrelevant. I liked it. J'aimais mm. ça. Euh, on va là avec un petit update de la Champions League. Mm. Puis un petit update de la NHL. So, Spenty, what is yours? Euh, on a eu les draws pour le prochain round qui va être le Ooh. 9 avril. Let's go. Je ne sais pas si tu les as vus là. Non, j'ai yes. vu la. Il y a un site qui est crazy. Puis l'autre site est comme. Mm. C'est vraiment, vraiment ça. Okay, Donc, le side qui est. Eh, qui est average, tu vas avoir Atlético contre Dortmund. Qui est, don't get me wrong, c'est still des bons match-ups. Mais le ouais. forme que les teams ont cette année, comme, ah, ils ne sont plus aussi bons qu'avant. Mm -hmm. Atlético contre Dortmund. Le deuxième game, c'est PSG contre Barcelone. Euh, PSG qui n'utilise pas Mbappé non. présentement parce qu'il s'en va à Madrid. Et Barça, qui n'est pas vraiment la même team qu'elle était avant. Non. Euh, elle a sneak in là parce que l'utiliser en hein. j'espère parce que vous n'allez pas vous rendre plus loin non euh, puis l'autre côté qui fait absolument aucun sens que toutes ces teams là sont du même côté arsenal bayern munich mmh. euh, là, je m'attends une frappe de bayern munich sur arsenal mais non m'attends un, un barça contre bayern munich là. même même résultat 8 à 1 là mmh. des suspects euh, madrid contre euh, city encore First, on, a popcorn. Du, on a du bon côté, on a du bon côté, on a du bon côté. Vous êtes bon non, 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 non 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 non. Je parle, je parle de la caméra parce, okay. que, parce que là vous normalement sur vous je okay, oh, veux okay. ma face. Je veux pas voir ta face. Non 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 parce, parce que parce que faut tu bats Bayern ouais. puis après faut tu bats soit City ou Madrid. Ça ça va être tough. Puis après faut -tu, tu gagnes en finale. Mais je veux débattre sur Madrid et City parce que là cette année Madrid n'est plus ce qu'ils étaient. City n'est plus n'est plus qu'est-ce qu'ils étaient aussi. Ils ont gagné. Ils ont gagné l'année passée, passée ah, fini, cette année. Qu'est-ce Qui s'est changé Qui on a retiré cette, Ils n'ont rien retiré. Voilà. Mais cette année, ils ne jouent vraiment pas aussi bien qu'ils jouaient l'année passée. OK. Selon toi, tu penses que Madrid, c'est haut la main Ça va être tête. Ça, ça va être un autre, un autre, un autre game de fou là, qui mm -hmm. va finir en aggregate, genre 6-6 ou 7-7. Ça va ouais. être de quoi de fou là? Selon vous, si on prend l'action maintenant, parce qu'on a encore du temps avant de faire la prédiction, bah, si on a debated now, si vous devez choisir Antilles et Madrid. Sachant que Mizogol est un gars siri City, moi oh, je prends mate. Madrid ou tout City. Voilà, aller avec City. Parce que maintenant qu'ils ont finalement gagné, des fois quand t'as gagné, tu, tu te débloques rendu. Champion dans mentality. Ces Mais mm -hmm. moi, c'est le match Arsenal euh, Bayern qui m'intrigue. Non, Arsenal va gagner. Oui, il ne m'intrigue pas. C'est une grosse game. Ça finit en 3-2. Arsenal. Moi, je j'ai envie de dire euh, Arsenal gang, c'était voilà euh, non Arsenal, c'est sous ça là non non non, non. j'ai le rap c'est juste parce que je sais pas j'ai un feeling j'ai un feeling mais Bayern mais, il m'inspire rien comme j'ai j'ai bête un peu le que dernièrement Ah, oh, Bayern du Bayern Bayern, Bayern m'inspire je... pas <rire> ben, <rire> merci <rire> Bayern dernièrement quand j'ai dit quand, quand ils jouaient contre Latio j'ai dit Bayern ils... Alors, leur forme était était whack. et depuis qu'ils ont perdu contre Latio 1-0 euh, ouais, à Rome. Ils ont smack tout le monde. 5-0, 8-0, 6-0. Je sais pas, je les regarde jouer et je suis genre. J'ai l'impression qu'ils peuvent juste venir faire un stinker contre Arsenal, justement. <laughs> ben, moi, je trouve que c'est là que ça clique. Tu penses ouais. C'est à ces moments-là que ça a commencé. Moi, à je pense qu'ils vont foirer la première game et ils vont essayer de revenir à la deuxième. Ça va être tout late. Personne va gagner comme ça. Ça va être tout late. Arsenal. Ils ont, eu un, ils ont eu la, la steam parce qu'ils ont fait 6-0, 6-0, 5-0. Ouais. Et mmh. on était comme Oh wow, Arsenal sont, 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 solid. sont, sont solides. Mmh. Mais après, ils sont venus à des 1-0, 2-1. Football bizarre, où ce que tu n'as aucune occasion, pas vraiment de centerpiece en attaque, où ce mmh. que tu peux attaquer. Donc, Harry Kane puis... Justement, je pense c'est mon, mon problème, je pense que c'est Harry Kane même. C'est lui, j'ai l'impression qu'il va, va juste disappear. Il va jouer, il va retourner jouer en un... <laughs> À moi, Arsenal, puis il va être comme. Ça va être un ghost. Moi, mon ghost, le, le Hurricane Curse, is for real. Quand t'as Hurricane, t'as pas de trophée. Yo! C'est ça. ça! Tu vois, c'est ça le feeling. C'est ça le feeling. Hurricane va juste pas show up. Ça se peut. Ou. Moi, je pense, parce que tu connais pas un trophée si tu vas à Arsenal. Pas la, la ronde d'après contre Madrid ou Philly. Ça, ça je suis difficile de le dire. Le Bayern... Ils ne m'ont pas impressionné durant la League, malheureusement. Ils pas impressionné. C'est ça pour dire que ce côté-là, vraiment plus oh, fort que l'autre côté. Ouais. Oui. ou ouais, l'autre côté c'est une event, là. L'autre côté, c'est des peanuts. Oui, c'est des peanuts. Ouais, des peanuts. Oh, ouais, clairement. C'est le genre de côté que tu vois genre, comme quoi, les petits uh, Si Inter uh, avait ouais. si le, 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 battu. ça, uh, ça tout, tout le monde a une chance d'aller en finale. Exactement. Mais, OK. Parce que là, PSG, je m'en fous. Si <laughs> Mbappé se blesse. <laughs> si vous voulez aller en finale, c'est live. C'est live. C'est okay. la <laughs> <Okay>. dernière chance. <laughs> OK. Et nous il bouge. Regarde là c'est vous. Yo, moi je le laisse ce break là comme il ça va fonctionner, c'est pas comme si tu le tout pour le tout. Le tout. yo. 90 minutes mon cher, tu as joué chaque game. Mais mais père a fait l'équipe au complet. Oui, 100%. tu le vois la fin de semaine quand il joue la 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 demi qui joue. Exactement. Regarde. Hey. Dans Ligue 1, Noise c'est pas important qu'il joue pour gagner tu veux finir et ça pourrait être une belle story finir avec il finit ça, Champions. il Champions League mm -hmm. à, à PSG puis là il va partir tout le monde va être comme ok il est parti mais il a fait ce qu'il avait à faire exactement donc so, moi je suis PSG je suis Mbappé je <laughs> sors la main je dis check on a des bifs mais ça c'est on va pas avoir une meilleure opportunité que ça là donc so, let's go for it Mbappé va avoir une meilleure opportunité non mais je vais dire non mais je parle C'est ça Je parle en tant que les deux ensemble. So we go for it, on bat Barça, on bat l'autre Matchup, Atletico, Dortmund. Ou Dortmund. En finale, je pense que Mbappé va jouer son meilleur soccer ever. En finale, c'est Le mot ça va être Atletico. 100%. C'est tout le temps les Toujours Les Ouais. On, a aussi, on, a, on, a, on a aussi des bons match ups AC okay. euh, Milan contre Rome. Je trouve que encore wack que deux équipes italiennes jouent une contre l'autre. Benfica-Marseille. Ouais. Ouais. C'est wow, Benfica, vrai. Marseille. Ouais, vrai, ça, ça, si Benfica. moi je prends Benfica de Way sur Marseille. Okay. Euh, après, c'est les champions de, de la Ligue allemande. Uh, Leverkusen à date contre West Ham. Okay. Et les champions de l'Angleterre, Liverpool contre Atalanta. Liverpool, Milan. Liverpool, Milan, Benfica puis Leverkusen. That's it. Et après les les match-ups vont être We're crazy. Insane. Ouais. Au Europa, je trouve que les match-ups sont plus nice. Sont pas plus nice, mais sont aussi nice. Wow. All right, NHL. Mais est-ce euh, qu'on ah, on, ouais. on faisait des prédictions pour Non, pas maintenant. Oh, C'est le 9 avril, avril temps, bon. on a avril, la semaine prochaine. On Dans la NHL, les Canadiens de Montréal, est-ce qu'il y a des nouveautés depuis petitement par de Calgary, oui, j'ai regardé Non, mais sinon mais moi, ouais, je regarde la game. Il a regardé la game en fait. Il ouais. il se fonce, Mac. Il is what it is. C'est ma bah, 5 à 2. 5 à 2, exactement. Que... Laurent, on est, rendu, on est rendu dans le bout de la saison. Parce on s'en fout. <laughs> on s'en fout du Canadien de Montréal. Oh, ouais, c'est fini? Bah, oh, bah, fini. Il reste 12 games. 12 oh, il 12... reste 12 games. Oh, et après, après c'est les playoffs. Euh, pis, on est rendu vraiment au stade où il faut juste perdre. Puis on va l'année prochaine. On n'est ouais. est même pas là-dedans du tout. là. On, peut, on, on est 7ème de notre division. ça veut dire qu'on est genre 14 e 14ème de l'Est. rendu le temps que je peux écouter le hockey. Les playoffs. Les playoffs, on les grosses équipes, les grosses équipes encore un mois. OK, dans les playoffs, on va commencer à parler plus savoir qui va gagner. faire des petites prédictions. Si tu veux, on pourra parler de playoffs, mais je suis pas sûr que tu vas pas suivre le hockey des playoffs comme ça. Oui, je suis. Ça commence tu en même temps que les playoffs J'aime ça prendre une team, c'est genre une semaine avant. Une semaine avant ça commence, une ou deux semaines ça commence. Si jamais j'oublie, dis-le-moi comme ça, comme dit, c'est un bonjour qu'on va faire ça. On va prendre une équipe qu'on croit, qu'on believe. puis Tu braquais jusqu'à la fin Tu braquais jusqu'à la fin. Non. On va mettre un petit bain goût pour rendre ça fun. Moi, je te le dis live. Puis, oh, quoi, tu te le dis qui... live Moi, je te le dis live. Moi, Parce... je prends les penteuses. Les penteuses Again les Panthers. Ben oui. Tu penses que c'est son dû Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben, moi, j'irais plus avec. Dans chaque conférence ou. Tu m'en parles une ou deux. Une ou Il faut que je fasse mes devoirs. moi, je ça. fais vos devoirs. C'est Parce que pour ça vous devez faire vos devoirs si vous voulez parler d'Innichel. Parfait. Parce que vous n'êtes pas encore prêt à parler d'Innichel. Non, non, on n'est pas prêt, mais je fais mes devoirs. I got you. Alright, guys, y'a-tu d'autres choses à rajouter Alright, that was a nice one. Kaza, nothing? Elles sont où les Mighty Dogs? <laughs> so, il s'appelle plus les Mighty Ducks ok le gars là et oh c'est pour ça que je vous dis faites vos devoirs <laughs> free 20$ free money <laughs> ok ouais alright guys il fait <laughs> juste mettre un bingo sur la table au fun c'est ça pour s'amuser <laughs> ouais, dès que ça gros. parle d'argent c'est sérieux pour moi <laughs> ça je te dis ça je te dis so go one. so yeah so that's it on se voit la semaine prochaine and we out